évaluée dans le cadre du contrôle continu en EPS, réalisée et présentée par Mademoiselle Fatem Zahra et encadrée par le professeur Aziz. Athlétisme pour le développement systématique de l'endurance aérobie et de l'intensité aérobie. L'éducateur fait recours à trois différents modes de travail. La première question, quelles sont les caractéristiques, intensité, durée, objectif de chaque mode? La deuxième question, comment envisagez-vous la partie fondamentale de la première séance d'entraînement ayant comme objectif le développement de la capacité aérobie pour un groupe de 10 élèves de la troisième année collégiale qui s'est arrêtée au palier 11 avec une vitesse de déplacement de 13,5 km par heure lors du test course navette de Luc Léger, palier d'une minute. Notez bien, piste disponible de 100 mètres. Pour la correction, on va commencer par la définition des mots-clés. On a l'intensité aérobie. L'intensité renvoie au niveau d'effort fourni lors de la pratique d'une activité physique. En d'autres mots, elle renseigne sur l'énergie déployée au moment où l'activité est réalisée. C'est quoi la capacité aérobie? La capacité aérobie, il représente la capacité de l'organisme à soutenir un pourcentage donné de VO2 max pendant une période prolongée. L'énergie est principalement assurée par les processus aérobies, l'acide lactique produit étant rapidement métabolisé dans le foie, le cœur, les muscles actifs ou inactifs. Selon qu'on se situer au niveau supérieur ou inférieur de la capacité aérobie, les substrats utilisés seront préférentiellement les lipides ou les glucides. L'endurance aérobie. Pour l'endurance aérobie, c'est l'activité physique aérobie est une activité nécessitant l'oxygène comme source principale de combustion des sucres. Fournissant l'énergie à l'organisme. Le niveau d'activité doit être suffisamment faible pour ne pas imposer de difficultés respiratoires ni de douleurs musculaires. Pour la première question, pour les caractéristiques de trois modes de travail, on a trois modes de travail. Mode de travail continu, long, long et court, court. Pour le mode de travail continu, l'intensité du travail est entre 80% et 85%. La durée de l'exercice supérieure à 10 minutes. L'objectif, c'est l'amélioration de la capacité aérobie. Pour le mode long, long, l'intensité du travail est entre 85% à 95%. La durée de l'exercice est effort maximal de 30 secondes à 2 minutes. L'objectif, c'est l'amélioration de la capacité et la puissance aérobie. Pour le mode de travail court-court, l'intensité du travail entre 100% à 130%. La durée de l'exercice, c'est l'effort de 10 secondes à 15 secondes. L'objectif, c'est l'amélioration de la puissance aérobie. La question 2, les entraînements par intervalle sont l'un des meilleurs moyens d'amélioration l'endurance aérobie. Moyen d'améliorer l'endurance aérobie, tout est une question d'augmentation progressive de la capacité cardiovasculaire au fil du temps. Le groupe physiologique comprend 10 élèves de troisième année collégiale qui est arrêté au palier 11, se déplacer à une vitesse maximale aérobie de 13,5 km par heure
L'éducateur doit convertir cette donnée du 13,5 km par heure en mètres par seconde. On a 1 km contient 1000 mètres. Et pour convertir une heure à les secondes, on a 60 fois 60 égale 3600 secondes. Donc le VMA en mètres par seconde est 13,5 fois 1000 divisé à 60 fois 60 est égal 3,75 mètres par seconde. Alors, le VMA à 100% est égal 3,75 mètres par seconde. Donc, le VMA du groupe d'élèves, c'est 3,75 mètres par seconde. En fonction de la distance du parcours disponible dans son établissement, c'est 200 mètres. Je détermine la distance du travail et le temps à réaliser en fonction de mon objectif et du mode de travail à adopter. L'objectif, c'est le développement de la capacité aérobie. La capacité aérobie par l'utilisation du mode de travail continu, c'est-à-dire le VMA, entre 80% et 85%. On a 3,75 mètres par Donc, seconde et 200 mètres pour trouver le temps pour courir 200 mètres. Donc, d'après la règle de 3, on va trouver T est égal 200 fois une seconde divisé à 3,75. Donc, T est égal 53 secondes. Donc, à 100% de sa VMA, le groupe physiologique doit courir les 200 mètres en 53 secondes. En fonction du mode de travail à adopter, l'éducateur doit déterminer aussi les intensités. Pour 80% de VMA, on a 3,75 mètres par seconde. Pour 100% de VMA, X pour 80% de VMA. Alors, VMA à 80% est égal 80 fois 3,75 divisé à 100, la règle de 3. VMA de 80% est égal à 3 mètres par seconde. Pour courir la distance de 200 mètres, on a besoin de temps de. On a 3 mètres par seconde et 200 mètres à une temps. Donc, le temps nécessaire pour courir 200 mètres est égal 200 fois 1 divisé à 3. Donc, T est égal à 66 secondes. Donc, on a 66 secondes est égal à 1 minute et 6 secondes. Donc, à 80% de sa VMA, le groupe physiologique doit courir les 200 mètres en 1 minute et 6 secondes. Pour 85% de VMA, on a 3,75 mètres par seconde. Pour 100% de VMA, X pour 85% de VMA. Alors, VMA à 85% est égal à 85 fois 3,75 divisé à 100. Divisé par 100. Divisé par 100, VMA à 80, 85% est égal à 3,18 mètres par seconde. Pour courir la distance
de 200 mètres, on a besoin d'autant d'eau. On a la même chose. On va utiliser la règle de 3. 3,18 mètres par seconde. On a 2 mètres, 200 mètres pour le temps T. Donc, T est égal à 200 fois 1 divisé par 3,18. Donc, T est égal à 62 secondes. Alors, le 62 secondes est égal à 1 minute et 2 secondes. Donc, à 85% de sa VMA, le groupe physiologique doit courir les 200 mètres en une minute et 2 secondes. Pour résumer les résultats précédents, pour courir 200 mètres à 100% de VMA, on a besoin le temps de 53 secondes. Et pour courir 200 mètres à 80% de VMA, on a besoin d'une minute et 6 secondes. Et le temps nécessaire pour courir 200 mètres à 85% de VMA, on a besoin d'une minute et 2 secondes. هادشي اللي درسنا من قبل واللي طبقناه غير تيوريكمون غنديروه على في أرض الواقع على بهذه الطريقة. بروميير اكزامبل براتيك انتنسيتي 80% سوب كريتيك. لوبجيكتيف دو لا بروميير سيونس سي لو ديفلوبمون دو لا كاباسيتي ايروبي ترافاي دو كونتوني. يعني لو مود دو ترافاي لي يوتيليزابل سي لو مود كونتوني. Groupe physiologique, G est égal à 3,75 mètres par seconde à 100% de VMA. On a G est égal à 3,75 pour 100% de VMA, X pour 80%. 3,75 fois 80 divisé par 100. Donc, X est égal à 3 mètres par seconde. Pour le parcours de l'établissement, nous avons 200 mètres. Donc, on a 3 mètres par seconde. Quelle est la distance parcourir pendant 20 minutes? On va d'abord convertir 20 minutes en secondes. Donc, 20 fois 60 est égal à 1200 secondes. On a 3 mètres fois 1200 est égal à 3600 mètres, est égal à 3 kilomètres, 600 mètres pendant 20 minutes. Donc, les élèves ou le groupe physiologique besoin de 18 tours pour réaliser pour courir pendant 20 minutes. يعني كيحتاج 18 دورة باش يدير هاد 20 minutes. Un deuxième exemple pratique. 85% travail du continu, intensité 85% subcritique. L'objectif de la deuxième séance, amélioration de la capacité aérobie. G, c'est le groupe physiologique. On a G est égal à 3,75 mètres par seconde à 100% de VMA. G est égal à 3,75 pour 100% de VMA, X pour 85%. 3,75 fois 85 divisé par 100, X est égal à 3,18 mètres par seconde. Pour le parcours de l'établissement, nous avons 200 mètres. 3,18 mètres par seconde, donc pendant 15 minutes, je convertis 15 minutes en secondes, on a 15 fois 60 est égal
900 secondes. Nous avons donc 900 fois 3,18 est égal 1862 mètres, c'est-à-dire un kilo, un kilomètre. Ouais, 2862. C'est-à-dire 2 km et 862 mètres pendant 15 minutes. 2 km, 862 mètres pendant 15 minutes. C'est-à-dire que nous avons 14 tours plus 62 mètres. Merci pour votre attention.